Venez. Vous, monsieur Kern Florimont, vous êtes journaliste. Oui, journaliste. Vous avez vécu 25 ans ici et vous êtes retourné. Vous êtes journaliste, vous dirigez un journal qui est aux États-Unis. Oui, ça s'appelle Haïti Liberté, donc, dont la rédaction se trouve à New York et une rédaction à Port-au-Prince. Vous êtes revenu chez nous il y a 3 semaines au moment du séisme. Oui, je suis rentré de France mardi matin et j'ai appris la nouvelle, la terrible nouvelle, mardi après-midi. Je vécus pendant 30 ans et à Paris, en France, puisque où je fais mes études, et après, j'ai décidé de retourner vivre définitivement en Haïti. Que voulez-vous dire ce soir? Qu'est-ce que je peux dire ce soir face à un tel drame? Tout simplement, je voulais rappeler l'histoire d'Haïti en un mot. Je voulais dire que Haïti, c'est la fille rebelle de la France. Néanmoins, elle reste sa fille. La francophonie, la culture, l'histoire sont liées avec Haïti. À partir de là, je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de ces drames terribles, épouvantables, que la France assume pleinement ses responsabilités à côté des dirigeants haïtiens. Merci beaucoup, M. Florimont. Sur scène maintenant, Raphaël. Raphaël, il a eu le coup de foudre pour Haïti, pour sa culture, pour Port-au-Prince. Il a écrit une chanson très touchante. Il aime cet endroit, il y est allé. C'est l'histoire d'un petit gamin qui quitte son île. Adieu Haïti, Raphaël. Je marche dans les rues, le bon Dieu dans ma poche. Je marche dans la grande ville et je n'ai plus froid. Si la terre est mon ami, parce que souvent je dors dessus et je m'ennuie de mon pays qui était si petit. À toi mon petit. Je me souviens des rues et des nuits de Port-au-Prince. Et je suis toujours un étranger à la gare internationale. Le vent nous emportait aussi loin qu'il pouvait. Cet air, je le connais. À toi, mon petit pays. À toi, ma famille. À toi, mon îlot, Haïti. À toi, ma petite terre. Non, 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 non.